L'opération est simple, c'était celle de visiter les différentes familles qui ont perdu les leurs, les nôtres. Hein, ce sont des combattants qui sont morts. Ils ne sont pas morts de maladie, ils sont morts assassinés. C'est très douloureux. Et on était obligé de venir voir les familles et d'essayer de les réconforter. Et en les réconfortant, on a amené aussi quelques nourritures pour permettre à ceux qui viendront à ce deuil-là de rester un peu plus longtemps avec eux, les conforter. Voilà. Et à ce jour, qu'est-ce qui est prévu au sein du parti par rapport à l'enterrement? Là, vous savez que nous, c'est la justice qui va faire le reste. Ce que je répète encore, c'est ces combattants ne sont pas morts de maladie, ils ont été assassinés. Deux ont été tués durant la marche, ils sont morts par blessure, de balles, de fusil. Et trois autres ont été tués, ensuite jetés dans la rivière de Lubumbashi. Donc le problème en ce moment est au niveau de la justice. Et je crois que c'est la justice, après avoir terminé, vont nous signaler exactement quand est-ce que nous allons enterrer nos frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup.